Je suis en présence de Kun. Kun, tu vas bien? Ah, t'as streamé ce matin déjà? J'ai streamé, ouais, bien sûr. Bah oui, quand voilà, même, quand même. Voilà, magnifique. Voilà, on est trop chaud. Bonjour, bonsoir à tous. Oui, pour te répondre, oui, je vais bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes en direct ensemble pendant 3 heures en duo et puis l'Owello continuera jusqu'à 1 heure. C'est ça. Est-ce que, dites-nous sur le chat, est-ce que vous entendez bien Kun? Est-ce que vous avez besoin qu'il y ait un petit réglage au niveau du son? Peut-être que moi on m'entend trop fort, peut-être que lui on l'entend trop fort. Dites-nous tout de suite, comme ça c'est réglé pour la, pour la totalité du stream. Et coucou! Et coucou! Et salut à tous et à toutes, c'est David d'Enfarge Pokémon. Et coucou! Coucou! C'est parfait? Ok, super. Bon alors, messieurs, dames, il y a ce soir une particularité à ce live. Alors, c'est très important, on y a pensé 30 secondes avant le stream, donc c'est vraiment hyper important. Kun et moi-même avons un mot interdit. Nous n'avons pas le droit de le prononcer pour le bien-être mental de moi en particulier, mais de lui aussi, je pense. Il y a un mot qu'on n'a pas le droit de prononcer pendant la totalité du stream. Vous pouvez essayer de nous piéger si vous devinez lequel c'est, mais nous n'avons pas le droit de le prononcer. Celui qui le prononce devra payer un resto à l'autre. Voilà, il y a un mot. Voilà, on ne vous dit pas lequel, il y a un mot. Voilà. Et évidemment, si, si on le voit dans le chat, on dirait pas, on dira pas « Ah oui, c'est ça !» C'est ça. Et sachant que c'est ce mot-là dont on parle, c'est ce mot et son équivalent dans les autres langues, évidemment. Exactement. Même si tu donnes trop d'indices, déjà ça élimine Solari. Il y en a qui ont déjà deviné. Sachant que, évidemment, je ne sais pas le dire en serbo-croate. C'est vrai? Bah, ouais. Et la culture, Kun? T'en fais quoi? Tu chies dessus? Je fais du jujitsu, ouais. Bon, on espère que vous allez bien, messieurs, dames, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va se faire une soirée. T'es déjà en spectateur, Kun? Bon, je vois que tu joues Carniflore. Yes. Mais attends, c'est une version extrêmement extrêmement exotique hein, de Corniflex. Ouais. C'est un chaman élémentaire. Carniflore est là pour tous les cris de guerre que j'ai dans le deck, notamment celui qui me permet de redécouvrir un élémentaire, celui qui comment s'appelle, enfin tous les cris de guerre, celui qui inflige 3 points de dégâts, celui qui inflige 5, celui qui me redonne un élémentaire dans ma main, la 2-2, toutes les cartes globalement, cris de guerre, il y en a énormément, donc... Il est vachement bien ce deck, franchement j'ai joué un petit peu en vrai, il est très drôle à faire. Tu sais que j'ai fait top 30 légendes avec ou pas? Certains me l'ont dit, d'autres en ont parlé, et globalement les gens étaient assez d'accord pour dire que tu l'avais fait, ouais. Oh le gros mytho, ouais. Non, j'étais pas au courant. Ouais, en fait, en gros, si tu veux, j'ai lancé un live comme ça. Hein, ouais. J'étais top 80, top 65, un truc comme ça. Je croise Thaïs, première game du stream, Thaïs, en shaman. Et moi, je jouais Zo. Ah, mais oui! Il me met la méga bit. Genre en gros il m'a pull. C'était genre comme un dans la cour de récréation quand t'as un mec qui a redoublé 10 fois et qui bolosse un petit gamin qui a 6 ans. Voilà, c'est exactement comme ça. Il m'a bolosse deux games d'affilée. Du coup après, moi qui suis évidemment un gros deck builder, j'ai pas copié. J'ai mais... tapé Thaïs decklist. Je me suis inspiré légèrement. C'est-à-dire carte par carte, voilà. Oui, c'est la fameuse vidéo mon deck de taille sur YouTube. Oh, je l'aime bien. Ah, vous savez, je l'aime bien. Je suis, hein, je suis. Ressentio Panza, salut Cantigno, salut Last Angel, salut Ayer 69. Question, Babel s'appelle Babel sur Hearthstone in game? Ouais, je crois. Ouais, il s'appelle Babel. À moins qu'il ait changé, non, il s'appelle Babel. Ouais. Bah, il a beaucoup changé, hein, Babel. Ouais. Il a perdu beaucoup de poids. Qu'est-ce qu'il est beau, Babel, actuellement? C'est vrai qu'il est beau gosse quand même. C'est vrai, c'est la musculation. Tu sais que je lui ai filé beaucoup de conseils de musculation. C'est vrai. Yes. Et bam, patata 6, directement connecté dans la tête. Connecté. Je l'affronte alors, il y a moins que tu sois en train d'affronter, je crois qu'il est en train de jouer, ouais. Je crois qu'il est bien contre le meilleur deck de la méta, ce deck. Franchement, il se défend. Ça dépend lequel deck, meilleur deck de la méta de. Ça dépend lequel meilleur deck de la méta de Fichu, bien entendu. Bah, le... Bien sûr. Parce qu'il y en a à peu près une centaine, donc après, faut trouver lequel. Quoi. Je l'affronte alors... Alors, tous les Babel... Enfin, plusieurs personnes peuvent avoir le pseudo Babel. Ils ont juste pas le même battle tag. Je peux te dire s'il est connecté, si tu veux, Babel. Parce que je l'ai dans ma friend list. Eh bien non, Babel n'est pas connecté. Donc au risque de te décevoir, ce n'est pas Babel que tu affrontes. Après, ça se trouve, il t'a supprimé.
Ça, c'est possible. Est-ce que c'est tu peux regarder dans ta liste? C'est vrai que t'es pas forcément quelqu'un de très appréciable, donc j'imagine que... Non, clairement. Il y a plus de raison qu'il fasse semblant de t'aimer. Moi, je vois Babel, dernière connexion, il y a 4 jours. Ah. Moi, j'ai vu sur Twitter tout à l'heure, il disait qu'il allait lancer un stream, etc. Donc, je me suis dit peut-être que... Olé. Ça peut être lui, mais voilà. Non, effectivement, je le vois pas non plus. Ça se... Alors, c'est quoi le mot interdit? Alors, le mot interdit, bah, c'est à vous de le trouver, mais sachez qu'on ne le validera jamais. Parce que, de toute façon, il y a un enjeu. C'est que si l'un de nous deux le prononce, on doit payer un resto à l'autre. Donc, C'est ça. Et d'ailleurs, on va rajouter une petite règle. Ouais. Même s'il est prononcé, ça n'arrête pas le défi. C'est-à-dire que si... Ah, du coup, par exemple, si tu on le prononces, dit deux fois... Ouais, tu le dis deux fois, tu payes deux restos. Il y a moyen de se ruiner sur ce stream. Il y a moyen d'être pas bien. Tu sais qu'on a 3 heures à passer ensemble. Bah, ça va être chaud de tenir. Hein. En plus, c'est un mot d'actualité. C'est-à-dire que c'est un mot voilà, qui est relatif au jeu et relatif avec l'actualité du jeu. Donc, il y a moyen effectivement qu'on se ruine un peu. Hein. Pièce Agatha ? J'étais en train de m'interroger. Ça dépend où est-ce que ça tape. Ouais, du coup, c'est pas fou. Bah. En vrai, je pense que ça vaut le coup quand même. 3-1 dans 3-5 et pièce Agatha. T'as c'est... tellement de créatures dans ce deck que... C'est vrai que maintenant que tu le dis, j'ai un deck vraiment très value. et le play de élémentaire, pièce, élémentaire. Enfin, élémentaire de feu, élémentaire murmurant, pièce, élémentaire de feu. Pareil, t'as que des éléments. Moi. Oui. Par contre, on va pas connardiser. On va trade d'abord. Et on va connecter 4 dégâts face. Quoi le nom de la prochaine extension? C'est l'éveil des ombres? Le réveil des ombres? Merde, je sais plus. J'avoue, putain, tu me fous un doute, je savais avant. Merde, j'ai un gros doute. Bah oui, moi aussi. Éveil ou réveil, j'avoue. Ah, fuck. L'éveil des ombres. Éveil. C'est ce que j'allais dire en plus. D'ailleurs, t'as vu Madame Azul qui a été annoncée là aujourd'hui, la carte du. La 3-2 pour, pour 3 qui. Ouais, elle est vraiment forte. Hein. Est-ce que tu te souviens d'une carte qui s'appelait Agent Draconide? Agent Draconide. Ah oui, l'agent Draconide. Et bah là, pour moi, c'est la même chose en plus fort parce que t'as pas besoin de la synergie dragon et tu peux savoir ce que ton adversaire a dans la main. C'est très fort, c'est pas dans le deck, c'est dans la main. Donc tu as l'information des sorts qu'il a dans la main et tu peux jouer autour les tours d'après. Et en plus de ça, en plus du fait de le voler. En fait, juste si tu. Juste si ça te disait juste ce qu'il y avait dans la main, c'était déjà trop fort. Mais là, en plus de te le dire, tu le récupères. Donc c'est... Après, le truc, si tu compares à l'agent draconide, la grosse différence quand même, c'est les stats. C'est les stats. Après, c'est vrai que c'était. Parce que l'agent draconide, c'était une putain de 5-6 pour 5. C'est vrai, c'est vrai. C'était tellement nawak cette carte. Moi, j'aimais beaucoup. C'est la seule période où j'ai joué prêtre, c'est la période où on pouvait jouer cet agent draconide. Oh, Seigneur Balkany ? Seigneur Balkany, let's go. Parfait. Salut Bartholomew. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de duo ensemble en vrai. C'est vrai que ça fait longtemps. Pas le froid. J'étais en train d'en parler tout à l'heure en live. Je disais que je pense que ça fait genre au moins un an. En fait, on a déjà casté ensemble juste la semaine dernière par exemple au machin à l'Arma Cup. Mais c'est vrai qu'en duo stream, là où c'est complètement différent parce qu'en cast tu mets vraiment en valeur le joueur et tu parles des plays, etc. En stream, t'as plus place à la délire et vraiment au mode pote. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait depuis fort longtemps maintenant. Ouais. Ça te fait quoi de streamer encore un soir de match? Non, mais ça, de toute façon, j'ai bien compris que tant que j'étais streamer, je ne verrai plus un seul match de foot. Hein. C'est terminé. Fury des vents. Allez! Tout à fait! Tout à fait! Let's go! Allez. Let's go! Kun a l'interdiction du mot gauche, Broello l'interdiction du mot muscle, en plus de votre mot interdit de base. Non, franchement, si on s'en rajoute trop, déjà, ça va être très compliqué. C'est vrai que ça va être compliqué. En vrai, moi, depuis tout à l'heure, je me concentre pour pas le dire. Ouais, pareil. Sachant vous que vous c'est un mot que je dis en stream au moins peut-être 100 fois dans un stream normal. Par minute. Par minute, ouais, environ. Ouais, voilà. Est-ce que je fais est-ce que je fais Grava? Genre, je trade Grava. Bah ouais, en vrai. Sinon, je peux faire genre Phoenix et tout, mais... Bah attends, parce que là tu vas overdraw. À moins que tu fasses un spell, là pendant ce tour tu vas overdraw. Bah je peux faire pêche sur glace, c'est de la merde ça. Ouais. Donc pêche sur glace, trade et grava. Je regarde ce que je récupère et éventuellement je peux le rejouer tout de suite ou pas? J'avoue que je pense pas qu'il soit chaud pour coller une grosse patate. Parce qu'il prend une patate à combien? À 11? Ah bah.
C'est une belle patate de forain, hein. Là, clairement, le mec, il te dit soit tu payes ton tir à la carabine, soit tu te casses. Hein. C'est ça. Mais je défausse quand même, Kun. Oui. Terrible. Aïe, aïe, aïe. En fait. Grand méchant loup, c'est sympa sur la 5-5. J'aurais dû faire Grava d'abord, comme ça je défaussais le sort que j'ai récupéré. Ouais. Vous avez rien remarqué, bien entendu, hein, si je l'avais pas le dit. Le mot interdit, c'est Solari. Non, c'est le même mot pour vous deux. Oui. C'est quoi le meilleur classé dans la méta que Nelo Elo, à votre avis? La meilleure classe? La meilleure classe, en vrai, sincèrement, moi je dirais mage. Moi je dirais la meilleure classe, je sais pas, parce que c'est... Y'a quoi comme classe déjà dans la 5? Combien y'a de classes déjà, j'ai oublié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas druide, prêtre, paladin, Voleur, ça peut être voleur. Ça peut être voleur, je pense, hein. Voleur, c'est pas mal, hein. En plus, voleur, ça bat la plupart voleur, des decks les plus joués bien. Du deck, hein. Ouais. La plus joués de la méta. C'est vrai que c'est une bonne ouais, c'est vrai voleur. Que voleur, c'est très très... C'est probablement voleur la meilleure classe de la méta. Qu'est-ce qu'il fait? Mais que fait-il? Mes crayons 3-2. Ah non. Oh, what? Qu'est-ce ça suffit pas, hein, pour l'instant, Coco Lastico. Ok, ça suffit. Oh bon, il prend quand même une patate à 5, hein, ça fait plaisir. Attends. Ouais. Non, non, il trade avec la 3-2. La 3-4. Ok, qu'est-ce que tu dis de Kalimos dégâts face et je lui mets le sort? Comme ça, je défausse pas. Je suis chaud, frère. Allez, frère. Oh les 1-1. Non, c'est de la merde ça. Ouais, moi je préfère ça. Salut Gilet 69. Putain, j'ai le pire sort, frère. Il me faut Lava Burst. Voilà. 100% le mot, hein, vous êtes grillé. Ah oui, non mais on savait que vous allez vous en rendre compte. Forcément que vous alliez vous en rendre compte à un moment, faut juste que nous on tienne quoi. Ça va être chaud, Kun. Je pense que c'était une mauvaise idée. C'est qui a essayé? Ça va être très compliqué. Nous rends l'argent. Alors, tu as une carte de la même couleur que la classe, là, le Hex. Ah. C'est une bête en plus. C'est ça, dans. C'est une bête. C'est dans quelle classe déjà? Non, mais on va pas essayer de se piéger. On va pas essayer de se piéger. Oui, je pense que déjà, c'est personne qui essaye de nous piéger. Est-ce que t'as pas étal? T'as 14, il est à 16. Ok. Non, bon, je pense que le Hex sur la 7-7, elle part. Hein. Mais je tape d'abord. Ouais. En fait, je me dis, ouais, je tape d'abord en tous les cas. Putain, il a l'armure, quoi. Ouais, et puis Hex et pluie de corbeau. Crapaud. C'est pas trop mal, j'imagine. Ça recharge de 3 quoi. En fait, ça me fait chier, j'aimerais bien le jouer en même temps que l'élémentaire délié. Dans ce cas-là, tu peux élémentaire délié, rampeur du goudron. C'est moins fort quand même. Après, tu me diras que c'est un board à baston. Bah, c'est ça, et s'il y a une baston qui part, toi t'as le râle d'agonie de la 7-7. Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Le fait de pas être surchargé, ça me plaît. Oh, sexy! Allez, deuxième ex. Salut Yggdrasil. Vous pensez quoi de l'Annihilotron? C'est une nouvelle carte? Je sais pas ce que c'est. Attends, je vais aller voir. Hey, c'est beaucoup d'armure ça. C'est une carte Freddy B. Rends l'argent. Ah oui, c'est la nouvelle légendaire qui est bien avec la classe qui joue l'Hérald d'Agonie en ce moment. C'est pas facile d'être une fille quand on est la bonne du curé. Ouais, ex Phoenix. Feels bad, man. Je regarde ce que je récupère et ensuite je fais sûrement ouais. pêche au corbeau là, pêche au poisson. Ouais, pêche à la ligne. C'est pas mal l'Annihilotron. Moi j'aime bien, je pense que ce sera pas très fort, mais j'essaierai clairement de la jouer. C'est quoi Annihilotron déjà? C'est la 3-4 pour 6 mecha, râle d'agonie, invoque un mecha de votre main et déclenche son râle d'agonie. Ah, moi j'aime pas trop. Enfin, je pense que. En fait, je pense qu'elle peut être jouée. Je pense pas que ce soit très fort. Je pense qu'elle peut être jouée, mais pour moi, c'est difficile de la jouer parce que, en fait. Est-ce que tu préfères jouer ça ou Savannah en fait? Tu vois.
Est-ce que tu préfères jouer, c'est vrai, vraie question, est-ce que tu préfères jouer ça ou Savannah? C'est la question que tu vas te poser normalement quand tu vas drafter le deck. Et en fait, je me dis, bah quand même, Savannah, c'est Mashallah, tu vois, c'est une Sarthek, quoi. Machin, ça avec la Donc, famille. donc franchement, je pense, bah, le prochain sort que vous jouez pendant ce tour coûte 3 cristaux de moins, découvre un sort. Eh ben, let's go là-dessus. Au pire, t'auras toujours ton monde brasier pour qui est un tour correct. Croc croc. Saphir, moi, étant donné que ça, que t'es contre guerrier, ça me paraît bien. Surtout que tu peux l'améliorer directement avec la pluie de crapaud, si tu veux. Ok. Moi, j'étais sur. T'étais Ouais, sur le fait de lui bourrer la tronche? j'étais plus dans cet état d'esprit-là, on peut le dire, effectivement. On peut en Qu'on fait du parler. coup? Ah, on le fait maintenant la pluie. Moi, j'aurais fait Mande Brasier, je t'avoue. Ouais, mais Et là, trade avec la 3-1. il faut. Ouais, mais il faut. Vas-y, vas-y, c'est la corde. Je te laisse faire ce que tu veux. Il faut value, je pense, non? Ouais, probablement. Je Ok. pleurerai votre mort. Tellement Oh! stylé, Alexstrasza. Ouais. Double Tellement messager, stylé. c'est cool. Double messager. C'est quoi messager? Ah oui, ouais, effectivement, c'est pas mal. C'est qui déjà le méchant dans Blanche-Neige? Bah, c'est la marâtre. J'ai compris ce que tu voulais faire, sauf que c'est pas le méchant dans Blanche-Neige. Raté du coup. Bah oui, c'est un peu fail, quoi. Eh dis donc, ça en fait beaucoup. Putain, il est à 21. Est-ce que c'est le moment de carni... Eh ben non, on n'a pas la mana. J'aime bien Volcan. Volcan messager? C'est ça. Et même un petit flamme-temps en vrai, hein, pour générer des spells. Allez. Comme ça, au prochain tour, on baissera l'autre flamme. En tout cas, la Agatha génère beaucoup de value et je me disais justement, tu me dis ce que t'en penses, mais je me disais, avec l'extension qui arrive, alors on connaît pas encore toutes les cartes qui vont sortir, mais tous les DK vont disparaître et il va rester Dr. Boom, Agatha et Zul'jin. Du coup, Ouais, est-ce que Agatha, est-ce que le fait que Shaman ait finalement soit l'une des seules classes qui ait cette méga avantage entre guillemets de pouvoir toujours générer un max de value, est-ce que ça va pas la placer sur un piédestal entre guillemets? Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi. Bah, on va voir, on va voir. C'est pas impossible, hein. Là, par exemple, ce match-up-là, Agatha contre Dr. Boom, ça pourrait exister. Hein. Ok. Ouais, un dernier messager, membre brasier sur la 5-5. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on gèle? On est obligé de geler, hein. De toute façon, sinon on défausse. Donc, Ouais. Ouais, c'est pas mal, en plus ça sauve ta 2-2. ça brise un peu le cœur tout de même, mais est-ce que je joue là l'élémentaire? Tant que ça brise pas le cul. Bah, c'est ton dernier LM. De la main, Ok. j'ai le rejeton de lumière, c'est un élémentaire aussi, con. Ah oui, pardon. T'as eu évolution, hein, bro. Attention. C'est stylé ça quand même en vrai. Ok, par contre, tout ce que Corniflex va faire, c'est pas de ma responsabilité, hein, parce que là on a vraiment fait beaucoup de trucs. Là, pour le coup, il n'a plus aucun sens, ouais. On voit pas toute la main de Loello, Ken, il faudrait te décaler un peu à gauche. Alors, c'est Loello Kiosque. Décale-toi, que n'arrête de mettre la faute sur les autres tout le temps là. Ok, je me décale. Alors, là, comme ça. Non, là tu caches toute la main encore. Ah. Comme ça. Non, mais tu fais pas d'effort, Ken, décale-toi! Tu Là, caches c'est la main, bon. on voit rien! Ken, on voit rien Attends. là! Comme ça. Voilà, non, non, il y a ta chaise qui cache, Ken! Okay. Ken! Mais les spectateurs, ils peuvent pas regarder la main! T'as vu le retour ou pas? Non. En fait, je t'ai mis juste en plein milieu des cartes, du coup, tu pouvais Ah, pas d'accord. t'échapper. Ok, qu'est-ce qu'on fait, Ken? L'heure est grave. Ah, bah l'heure, elle pue du cul, ouais, là. C'est le tour où on fait les évolutions instables, peut-être? Du coup, on se mord comme des gros porcs. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, moi je smorquerais comme un gros enculé. Attends, il a volé quoi sur... Oh, ça va. Est-ce qu'on trade la 2-2 tout de même parce qu'on fait semblant de savoir jouer? Allez, on peut faire semblant en 5 minutes. Et je pense à la rigueur que tu peux même geler le cube. Je pense que c'est ce que je vais Ou faire, par ouais. contre, je te laisse faire parce que là, il n'y a plus de temps. Oh! Nice! Nul!
pour... Oh, pas mal. Sexy boy. Et on va geler lui. Oh, j'aurais dû le placer au milieu, je suis un connard. J'aurais dû le placer au milieu. J'y ai pensé au début du tour, mais je l'ai pas fait après. Alors... Ah, là je vois le commandant d'argent, t'as eu le temps d'attaquer? Yes. Allez, putain, il a eu le temps. Il est beau ce mec. Oh là là, et le batrodon, incroyable, incroyable. Bah, il est pas mal ce petit board, Jean-Michel Bordas. Il est pas mal. Que si les initiales BGH, Big Game Hunter. Ça n'a rien à voir avec le GHB. Tu me perds un petit resto d'ailleurs. Putain, c'est qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Il faut. Oh là là, Jackie la citrouille. Jackie la citrouille! Mais oui! C'est toi le boss, Jackie la citrouille! C'est un resto. Jackie la citrouille, vas-y, proposez-moi un resto bien bien cher. Un truc de qualité. Moi j'ai envie. Vous savez, j'ai envie que mes papilles gustatives se régalent. Hein, quand on va se revoir sur Paris, j'ai envie de manger à ma faim. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un resto. Pas un resto de baltringue. Vous me proposez pas un flunch, hein. Pas un flunch, les gars. Un bon truc. Vous êtes les boss. Oh, je me suis tellement fait niquer. Merde. Mais comme un bleu. Comme un bleu. On dirait que t'avais jamais joué à Hearthstone, quoi. Mais non, mais je me suis dit, ça n'a aucun rapport avec, avec la classe en question. Je peux y aller. Mais... Oh, non, c'est génial. Bien joué, bien joué. En vrai, c'était rigolo. Il l'a dit en étant fier, mais grave. J'étais content. C'est vrai qu'en plus, t'étais trop content d'expliquer le truc. En plus, oui. Le pire dans cette situation, c'est que. T'étais vraiment de bonne volonté, tu vois, t'as voulu aider le mec, grave. Tu vois. T'étais en mode, ouais, le pauvre, je vais lui expliquer. Jackie la citrouille, bien joué, mais je vais quand même te ban life, hein. Le ban pas life, mec. Oh, merde. C'est pas grave, le challenge continue. Je t'emmènerai chez Chartier. C'est quoi Chartier, c'est un truc de ouf ou pas? C'est sympa, on y va de temps en temps avec Fichou, quand okay, on est après. Okay. Ah bah si vous allez avec Fichou, c'est probablement un truc de riche, alors ça, moi j'y vais. Non, c'est pas spécialement un truc de riche, c'est un truc de touriste plutôt. Ah. Oui. Les touristes sont rarement pauvres que donc je pars du principe que je vais me régaler, ça fait plaisir. Ça fait Non mais après, ça se trouve, je vais le dire 10 fois avant la fin du stream, donc Nous. Oh. Mais. Les plays. Putain, en vrai, je suis bientôt à la fatigue, Kun, ça va pas du tout. Eh, hey, il faudrait, tu sais quoi, j'ai une stratégie, Kun, tout va bien. Reste ouais. Calme, tout va bien se passer, Kun. T'es en compagnie d'un professionnel. Alors regarde, là je vais jouer une créature, quelle qu'elle soit, et je vais avoir ouais. Furie sanguinaire, et je vais le mettre à 1 HP. Est-ce que tu l'as bien ça. J'aime beaucoup ton plan de jeu. C'est un bon plan de jeu. Après lui, il a une bonne stratégie aussi, j'ai l'impression qu'il adapte ici, avec les mechas évidemment qui ont rué. C'est pas mal, hein. C'est bien réfléchi. Moi je trouve qu'il y a vraiment de l'idée. Il faudra que tu fasses attention parce que t'as toujours le saphir dans la main. Il suffit d'encore une surcharge et il sera bon. Tout à fait. Est-ce que c'est pas YOLO Carniflore là? Corniflex? Mais après Corniflex il me fait piocher des cartes, j'aimerais bien le faire quand j'aurai les 0 cartes dans la main. La gueule va encore durer je pense. Ouais. Alors si tu fais ton charrieur de bourbe, t'as un Eureka qui invoque Carniflore. Bon, ça reste qu'une 6-6, mais... Bah, pas vraiment, parce que je remonte une créature, du coup, si je le fais. Ouais, mais si tu le fais sur une 1-1, tu peux la rejouer. Ok. Je sais pas si c'est le play, hein, mais je propose. Je me disais plutôt, moi, peut-être refaire talisman pour vider un peu la main et faire des sorts, ouais. Là, genre faire le sort okay, à 4, ouais. Là. Ça me va de vider la main, là, parce que... Vous avez regardé HXH sur Netflix? Non, moi le dernier truc que j'ai regardé sur Netflix c'était cet après-midi. C'est un miracle parce que d'habitude j'en regarde jamais des trucs sur Netflix. Et c'était le documentaire sur Griezmann. Mais en fait je connaissais tout. Griezmann, c'est et putain, ce soir, ouais c'est ça. Ce soir il y a un match de l'équipe de France et Koh-Lanta. C'est que des trucs qui t'intéressent pas parce que ça passe à la télévision, c'est ça? C'est ça. Ok. J'ai eu peur, pendant l'espace d'un instant, j'ai cru comprendre que tu regardais la télévision et encore pire, que t'aimais bien regarder le football et Koh-Lanta. Là, j'aurais été extrêmement déçu. C'est quoi la classe pour monter rapidement dans le ladder? Paladin, impair, ça marche très bien. J'ai eu un coaching cet après-midi, on a fait quasiment full victoire en paladin, impair. Paladin, impair, après, je pense à des alternatives. Oui, bien sûr. Il y a...
Zo. Zo, c'est pas mal, mais après le Rogue problème, c'est... Impair. Ouais. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a encore mieux, mais... Ça dépend ce que tu essayes de counter. Toi, t'essayes de counter quoi en ce moment? Bien joué, bien joué. Non, j'essaye de counter quoi en ce moment? Bonne question, bonne question. Je t'avoue que là, le Dr. Boom, il m'embête énormément. Oh, écoute, je refais... Ok, deal. Je refais Kalimos. 6 dégâts dans sa grosse tête. Ou Alors alors 3 Kalimos dégâts il est par pas coup. actif. Ah mince. Stratégie annulée. Que... Mais Ken, tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Regarde, On peut plus te faire confiance, Ken. Par Oh! contre tu peux remonter C'est ce Corniflex. que... Putain, merde, j'allais le dire. Donc je trade dans zone 4-6 qui invoque rien. Ouais. Je le remonte. Et là il va se passer des trucs. Les gars, dans cette game, il va se passer des trucs. Personne n'est prêt. Alors, tu sais que Corniflex, il a que 20 cris de guerre maximum. Oh! Tout à gauche d'abord, le rejeton de lumière. Pourrave, ça c'est un tour 7 ça. C'est quoi ça? 1 6. Oh merde! Quoi? Oh pas cool en vrai. Qu'est-ce qui Eh, s'est passé? franchement, bah c'est une Ah créature merde, qui oui, tape je viens de partout voir. là. Ouais. Le lance-missile. Pas là, 1. Yes! Non, mais Ok, ça arrêtez tue d'essayer d'abord. de me faire craquer là. L'OLO aussi, il participe. J'ai pas budget illimité, moi. Honnêtement, Ken, il y a l'OLO qui regarde peu le chat et il joue alors que tu lis beaucoup le chat et tu es plus sensible à dire le mot. C'est vrai que moi j'essaie Que c'est. d'esquiver un T'as joué à Dofus, toi? De ouf. Moi j'ai aucune honte, de ouf. J'ai farmé, j'ai saigné le jeu, moi. Et Pour le d'ailleurs, coup, vas-y, c'était quoi ta vas-y. classe préférée dans Dofus? Rien à voir avec notre mot interdit, mais parce qu'il y a pas. Ma classe préférée dans Dofus. Écoute, moi j'ai joué toutes les classes, beaucoup. Enfin, les 12, quoi. C'est Ozamandas, ça, et je dirais Oza ou soit Oza soit Xelor. Xelor, c'est stylé de ouf, c'est vraiment Xelor, c'était stratégique. grave stylé. Ouais. Et tu faisais quoi comme métier? Moi, je faisais pas de métier, moi. Moi, je Ok. faisais principalement du. En fait, moi, je... en fait, en gros, moi, j'étais un gros tryhard qui faisait, qui jouait plusieurs comptes. Et en gros, en jouant plusieurs comptes, ben, en fait, je faisais les gros donjons. Et tu sais, t'as des ressources super précieuses que tu revends. Et en fait, je craftais jamais les items ni rien, jamais. C'est toujours été comme ça avec moi parce que, tu sais, t'as les sortes d'offus, si vous voulez, vous avez l'histoire de G. Quand vous craftez un item, des fois, il est bon, des fois, il est nul. Et en fait, ça me faisait chier de ouf tout ça. Donc, en gros, j'achetais toujours le truc parfaitement fait. Et en gros, je faisais les donjons en boucle. Je récupérais des trucs, des ressources de grosse valeur, je les vendais et je rachetais des items complètement faits, quoi, en Ouais. fait. Avec ta Donc. mère aussi, il y a une histoire de G. C'était gratuit. C'était gratuit que C'était gratos. je t'avais rien fait moi dans l'histoire à la base quoi. J'avoue que c'était totalement Le gratos. mec s'est sorti de nulle part. Il a juste dit vas-y c'est bon j'ai une blague. Vous avez joué à Cross Maga? Ouais. Alors d'ailleurs en parlant de Dofus, j'ai eu Ouais. hier j'ai contacté Ankama Games Ouais. des contacts et tu sais qu'ils sortent le nouveau Dofus, Dofus Cube Waven? entre Waven exactement et j'ai eu la clé hier. Voilà, Ok, je bah moi partageais j'avais ma pu y joie. jouer un petit peu au Toulouse Game Show. Ouais, t'as bien aimé? Et c'était bien cool, ouais. Bien, bien cool. C'est ouf, ça a l'air ouf. En fait, en gros, c'est un MMO massivement multijoueur comme Dofus. Mais par contre, en plus de ça, il y a un côté TCG où tu peux draft des decks en fait. Et en gros, quand tu vas jouer, t'as des sorts, entre guillemets, c'est des decks de sorts que tu vas drafter à l'avance. Et c'est du 1v1, 2v2, 3v3. Et tu peux jouer sur mobile, sur tablette, etc. C'est vraiment chouette. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Le jeu est encore en alpha, c'est pas sorti. Ne vous en faites pas. Mais voilà, pour le coup, quand ça sortira, ça peut être chouette de l'essayer. Vague de marée sur la 1-4. On gèle la 7-8 et on full face. J'ai envie de faire Saphir ici. Ça fait quand même Bah, 2 mid-7, c'est largement assez. Hein. Ouais, mais je me dis, là, bah, si tu commences par éclat, peut-être que tu peux avoir un de surcharge, genre un éclair ou une connerie du C'est genre. vrai, c'est vrai. On va voir. Oh! C'est pas mal ça. Oh oui. Oh baby, a triple. Est-ce que je gèle sa saloperie là? Je lui donne plus 3, plus 3 et je la gèle. C'est pas mal, non? Franchement, frère, vas-y. Eh, franchement, M'Sartek. Vas-y, vas-y. Et là, il va se dire, c'est bon, je joue Warrior, je suis pépouze. Mais pas du tout. Ouais. Pas du tout, là, la furie sanguinaire, il est pas... C'était le sort qu'il nous fallait, en fait, depuis tout à l'heure. Enfin, à part une surcharge, bien entendu.
C'est my set safe. Sekiro, ça vous hype? Franchement, ouais, aussi. C'est quoi Sekiro? Ça peut être bien sympa. Comment expliquer? Oh le bâtard. Le truc c'est... Il a fait quoi? Attends, il a fait quoi? Déluge ou baston? J'ai pas déluge vu. De coups. Ah merde. Bah, combien de dégâts là? Franchement, je le fais quand même. Dans tous les cas, j'aurais jamais autant de créatures contre un warrior. Oui, c'est sûr. Et après, je ferai Kadimos et Inch'Allah, Cornifex. Bah, attends, t'as pas l'étal avec l'arme croc-croc? Je sais pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non. Du coup, Sculpte Pierre Tolvir? Ouais, je pense. Ah, mais Kalimos, il sera pas actif au prochain tour. Ah, mince. Après, je peux faire ça pour récupérer un élémentaire. Non, parce que t'as pas de... Ah ouais, c'est vrai. Feels bad, man. Ouais. Après, j'ai Vague de Marée, ça tape 6, c'est pas mieux. Je sais pas, je me dis Sculpte Pierre, ça protège ton board, mais en même temps, ton board sert à rien. Mon board sert à rien, c'est ça. Peut-être que c'est mieux, ouais. Et ça vide la main, en fait, surtout pour Corniflex. Ouais. Ouais. Attends, ça tape face ou pas? Non. Non. Ah, ça serait con. Ça serait trop... Bon, le truc, c'est que ça tapera jamais 6, donc je me dis, c'est peut-être l'occasion rêvée, quoi. Ok, on lui a remis un bon coup de pression et il est bientôt à la fatigue. C'est un Dark Soul japonais, ouais, voilà. Je trouve ça résume bien. Kun, c'est vraiment un bon stream que je passe avec toi. Est-ce que tu sais combien de games on a fait depuis le début du stream? Est-ce que tu as su compter ou pas? C'est... Bah, c'est plus que zéro, parce que du coup, on est en train d'en faire une. Très juste, très juste, très juste. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un autre adversaire que Freddy B. Non, non, non. On a vu un Warrior et on a vu un Dr. Boom. Hein. Globalement, ouais. C'était deux héros voilà, qu'on a su voir et revoir. Mais sinon, on n'a pas vu. On n'a rien vu d'autre, globalement. J'allais dire une bêtise. Donc, on est sur du une game. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh le bâtard, il suit une masse. Enculé. Oh là là, aucune race. Non, okay. Sa race n'est pas très présente. Ouais, c'est la merde, ça. Merdoum, qu'est-ce qu'on fait? On fait Corniflex quand même, et Inch'Allah, non? En vrai, Corniflex, il peut donner des talents. Moi, je ferais à la Wagbar, ouais. De Corniflex, menthe brasée dans sa grosse tête, menthe brasée dans sa grosse tête, élémentaire de feu dans sa tête, on le fait exploser. Vas-y, tu sais quoi? Allez. Putain, en plus, c'est génial, parce que moi, j'ai du highlight. Ça marche pas, menthe brasée? Et non, parce que t'as pas joué d'élémentaire au tour précédent. Oh mince! Attends. Je viens d'y repenser. Oh non, pas dans ma tête, t'es con! Attends, par contre, on a un élémentaire désormais. Ouais. Et t'inquiète, parce qu'on a un autre Corniflex et ça, il le sait pas, ça. Ouais. Ça, les gars, c'est l'avantage. Et en plus, on baisse le prix de tous les mechas, ça c'est pas mal de tous les. Bah si, il le sait parce que t'as joué le. Oh merde! Franchement, Kun. Ça se passe pas bien. C'est un peu drôle quand même. Ça se passe pas bien, Ken. Mais je savais pas, c'est la première fois parce que. C'est un merde. Ah, je suis nul. Ah, c'est la première fois que tu joues le deck? Mais non, c'est pas la première fois que je joue. C'est la première fois que je joue Corniflex. Sans... Bah, en fait, il y a tellement d'élémentaires que c'est très rare de pas en avoir joué. En fait, le deck, il y a quasiment que des élémentaires. Il y en a 25, genre environ. Et genre, t'as 4 ou 5 cartes. T'as Agatha, Carniflore, les 2, 3, 5. Et t'as quelques sorts, tu vois. Genre un seul maléfice. Enfin, t'as genre 2, 3 sorts, tu vois. Mais sinon, il y a que. Donc, c'est assez rare de pas avoir joué d'élémentaires, en fait, finalement. Okay, en tout c'est cas, quoi c'est... les héros qui partent pas à l'extension? Il y a Dr. Boom, Agatha et Zul'jin et Jaraxxus. Sinon, tous les autres partent. A mon avis, Shaman et Guerrier seront plus forts à l'extension. Bah, ça dépend de qu'est-ce qu'ils impriment comme carte, hein, c'est toujours pareil, mais. Est-ce qu'ils seront plus ou moins forts que la classe dominante actuellement? Voilà. Zul'jin, c'est nouveau ça? Oula, Toshi TV, t'es pas à jour. Hein. Jin, c'est quelle classe? Non, mais vous êtes sérieux, les gars? C'est. Ah, mais non! Putain, j'ai failli me faire niquer encore. La vache. Miss Don? Ah, il y a eu un don? Il y a eu un don? Pour qui? Arrête. Bah, c'est forcément pour toi, parce que je t'ai même pas envoyé mes alertes. Attends, je t'envoie mes alertes après. Vas-y, envoie tes alertes. Je t'envoie mes alertes. Moi, les gens, ils aiment pas trop me faire de dons, mais je suis sûr que si c'était toi, ils t'en feraient des milliards. Ouais. Si tu m'envoies tes alertes, je les mets là tout de suite. Et directement, t'as des millions et des milliards de dons. Bah, je vais en avoir besoin pour payer le resto. Hein.
C'est vrai. Serviteur de Kalidus. Ah, mais non, parce que ça va te faire overdraw. En fait, j'aimerais bien geler cette saloperie de 8-7 qui va le heal de 1 milliard. Mais là, a priori, je ne peux pas le faire. Ça, c'est un problème. Tu peux si tu fais explosion voltaïque, puis serviteur de Kalimos, et que dans le serviteur de Kalimos, t'as un éclat glaciaire. Par contre, faut bien le faire dans cet ordre-là. Non, faut faire après le serviteur de Kalimos, sinon Pourquoi tu vas avoir. Bah, sinon, tu vas générer un sort et tu vas pas récupérer la créature. Tout à fait. Non, t'as raison. J'ai été quand Oh non, tain, j'ai pas la mana avec Corniflex. Qu'est-ce qu'on fait, Kun? Ouais. À la Kyr quand même, je dirais. Vas-y, Inch'Allah. Et ouais, ça. Vas-y. T'inquiète. J'ai la situation bien en main. Évidemment, j'aurais pu gagner la partie il y a bien longtemps, mais en tant que streamer de haut niveau, j'aime entretenir le suspense. Et là, je me dis, on n'a rien à craindre, messieurs dames. Ne vous en faites pas, nous n'avons rien à craindre dans cette partie. Restez calme, installez-vous confortablement dans vos sièges, buvez votre Coca-Cola et vos chips, votre petite bière éventuellement, et après, c'est cette victoire écrasante. Oh, tu me motives là. Pourquoi boire une bière et après c'est cette victoire écrasante? Petite bière là. Ah d'ailleurs, il y a Gun to Fire et Johnny Bamboo qui m'ont invité à faire l'apéro lundi soir. À Lyon? À Lyon. Ah putain, vous avez de la chance d'être à Lyon. Vous avez de la chance Lyon, c'est quand même la ville. D'habiter à la capitale de Paris. Hein. La capitale des Gaules. La capitale des Gaules. On le dit. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime pas du tout. Il vous avez pas vu le don? Bah non, moi du coup j'ai pas vu le don. C'est vrai, mais il était pour qui? Il était pour toi du coup? Il a popé, bah probablement, ouais, je vais regarder tout de suite. Je suis désolé, okay. Plutôt, je sais pas, ça a pas popé, je vous avais entendu le bruit vous. Vous l'avez vu le don genre? C'est quoi, bah, c'est Streamlabs? Il y a plein de dents qui ont. Il y a plein de gens. Ah, mais ok, j'ai compris. Il doit y avoir le mot interdit dedans et tu veux pas le lire, c'est ça? Non, même pas. Non, je l'ai pas vu en vrai. Attends, je vais regarder mes donations. Et... Bon, là, les élémentaires sont actifs, donc je pense que c'est Carniflore. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est perdu. Corniflex. Ok, c'est le moment de briller, Corniflex. Ok, en gros, dans l'idée, on a deux, non pas un, mais deux Agatha, deux, comment ça s'appelle, Mande Brasier, deux élémentaires de feu. Là, vraiment, c'est la régalade. Là vraiment, normalement, si tout se passe bien, il y a un de deux qui perd ou qui gagne. Allez, directement le Kalimos qui invoque des 1-1, c'est complètement pourri. On récupère des cartes dans notre main, on s'en fout complètement. Oh, 5 dégâts dans ma tête, non. On récupère. Oh, on gèle la bonne. Ça se passe pas bien, hein. Les 1-1 qui ruinent les games deux fois, les 1-1. Oh, là, Agatha la sorcière. Aïe. Terrible, messieurs, dames, terrible ce qui est en train de nous arriver. Oh, pas si terrible, calmez-vous. Taisez-vous. Allez, ok, super. Si on fait ça, il prend jamais la patate à 8. Là, en vrai, moi je prends. T'as la furie des vents, frère. C'est vrai? Ah oui, et avec Alakir qui coûte 5 avec puissance terrestre et arme crocro dessus. Que non, t'es pas en train de me dire... à travers ces mots qui n'ont aucun sens, qu'on va gagner cette partie quand même qui dure depuis plus d'une heure. Bah franchement, c'est pas impossible. Hein. Allez, vas-y, c'est parti. Challenge accepté, on va la gagner. Je trouve pas la donation. Hein. C'est... C'est peut-être une donation à Arma qui a été faite. Ah, tu penses? Non. Ah si, elle est là. C'est fourchette en bois. Hey, je peux être des bannes, j'ai grandi, je trie mes déchets et je fais des apéritifs dinatoires avec mes voisins. Bah attends, s'il trie ses déchets, il n'y a aucune raison qu'on l'unbanne pas. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai. L'écologie avant tout, messieurs dames, n'oubliez jamais ça. Bah GG mon gars. Il faut juste bien attaquer avec Alakir pour taper avec le bouclier divin pour pas que ça lui redonne des PV. Ouais, mais il tape que 6, hein. Non, avec la puissance et l'arme crocro. Ah oui, tout à fait. Mais du coup, je fais pas... Ouais, vas-y. Hop. Tout à fait. Comme des insectes que l'on balaye. Paf. Comme des insectes que l'on balaye. Yes. Game de 45 minutes, mais on l'a gagné. 48 minutes même, quasiment. Et Agatha qui a fait le taf, hein. Agatha qui a tout à fait le taf. Heureusement qu'on l'a eu très très tôt dans la partie, hein. Parce que franchement, c'était chaud, là, hein. Je trouve. Bonjour, c'est quoi le mot interdit? C'est chaussette. C'est ça.
Ah mince, j'ai perdu. Oh non. Tu t'es bien fait avoir. Ah zut. Laisse tomber, lis pas le chat, le hello, quand risque de perdre. Si, si, je lis, mais c'est juste je lis pas pendant que je joue, c'est tout.